ont il assez menti lorsque j'étais petite? Les braves gens qui m'aimaient ou qui faisaient semblant quand je leur demandais pour être plus instruite comment on doit s'y prendre pour avoir des enfants. Un surprenant conseil me vint d'un pensionnat où l'on disciplinait ma jeune turbulence. Une maîtresse attardée dans un vieux célibat me disait, si tu pries avec persévérance, le bon Dieu par la poste t'enverra ses courus, des bébés aussi beaux que son petit Jésus. M'a-t-elle assez menti, cette femme de bien, qui n'avait pas d'enfant en son âge canonique, car son vilain visage, faussement angélique, avait découragé même son ange gardien. Quand la famille voulut répondre au questionnaire, ce fut un canular aux multiples versions. Si les filles vagissaient dans les roses trémières, dans les haies on trouvait les garçons. J'ai passé un temps fou dans le grand potager, pas un chou, pas une rose n'était habitée. M'ont-ils assez menti avec leur crucifère, servant de nid douillet aux tout petits garçons? Je n'y ai trouvé que chenilles en habit vert, se métamorphosant en légers papillons. Un garçon stumé, croyance folle, après avoir bien ri de ma naïveté, entrepris un matin dans la cour de l'école d'éclairer mon esprit sur la nativité. J'appris alors que l'homme, créature raisonnable, unissait à huis clos l'utile à l'agréable. Plus que la vérité, la légende est jolie. J'aurai donc mes enfants de cette façon habile quand ils me poseront des questions difficiles. Tout comme les anciens, je mentirai aussi.